Je serais curieux justement de savoir que, combien d'incorruptibles évoluent dans la classe politique française. D'ailleurs, pardon de le rappeler, on a, pourquoi, alors c'est vrai que peut-être je vais me faire des ennemis, on a quand même plus que des mauvais dans la classe politique. Vous écoutez tous les éditorialistes, ils vous le disent. Les, bons, ils vont ailleurs, les anciens politiques étaient intelligents, lettrés, savants, tout ce qu'on veut. On n'a plus que des billes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, si vous voulez, ils partent dans d'autres fonctions, dans le privé, dans la Silicon Valley, ils partent gagner de l'argent, et nous, il nous reste plus que des personnes qui sont quand même vraiment en tout zéro. C'est pas le sujet, peut-être, mais c'est pas uniquement parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est parce que c'est devenu, enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. La politique est devenue d'une médiocrité crasse. Donc, un jeune, ou une jeune, par exemple, qui est brillant, il a forcément envie de partir ailleurs, il n'a pas envie d'aller se mettre dans ce marigot, c'est clair.